J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve en ce mercredi pour un haul spécial pop culture, spécial geek. Donc je vais aussi bien vous présenter les achats que nous avons effectués et aussi certains cadeaux de Noël. Sur ce, générique. Je commence ce haul par les pop, oui, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas parlé de pop sur la chaîne et je dois vous avouer que ça me manque trop. D'ailleurs, j'ai vu certaines prochaines sorties, oh là là, et j'ai trop hâte, notamment eh bien, les sorties des prochaines pop sur Freddie Mercury, avec notamment une pop où Freddie porte la couronne. Oh là là, elle est trop canon cette pop, elle devrait sortir là en début de cette année. Ensuite, il y a aussi une pop à l'effigie d'un des albums de Queen, du dernier album aussi de My Chemical Romance, de Hybrid Theory, de Linkin Park, enfin bref, ce sont des pop qui me tentent trop, donc j'ai méga hâte. Maintenant, je vais donc vous présenter, je vais commencer par quoi ? Eh bien, je vais commencer par la pop que je vous ai déjà présentée dans cet unboxing spécial Disney, si vous n'avez pas vu la vidéo, est ici. Il s'agit donc de la pop de Doctor Strange dans cette collection qui est beaucoup trop stylée, où les personnages, donc certains personnages de Marvel sont, eh bien, ont des couleurs différentes avec les boîtes qui sont toutes noires. J'aime trop, je trouve que c'est beaucoup beaucoup trop stylé. Et toutes les pop de cette collection sont en spéciale édition, donc sont des exclusivités. Donc on a Doctor Strange qu'on a acheté au Disney Store à Paris sur les Champs-Élysées. J'aime trop. Et comme je vous l'avais dit, ça fait très très Andy Warhol, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait très stylé, c'est très très original. On a craqué aussi pour celle de Captain America. Trop 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 stylé. J'aime beaucoup trop. Ensuite, celle de Thor. Thor qui est tout jaune avec les ombres orange et bleu également. Oh, j'adore. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elles sont tellement différentes des autres, ça change. Et puis le fait que les boîtes soient noires, je trouve que c'est... ça ajoute un... enfin, je trouve que ça ajoute de la profondeur, justement, de la dimension avec les couleurs qu'il y a dessus. La dernière que nous avons achetée, celle de Iron Man, qui n'est pas rouge, mais rose et jaune. Du coup, il nous manque plus que celle de Spider-Man qui est juste là, qu'on n'a pas trouvé. Et si ça peut vous intéresser, ces trois pops-là, on les a achetés à la Fnac de Tours. Voilà. Et en plus, ça, il y avait une offre de pop achetée, la troisième offerte, si je ne dis pas de bêtises, donc ça valait le coup. Chez Primark, nous avons acheté deux pop. Alors oui, si vous allez à Primark, n'hésitez pas à aller au rayon, je crois que c'est au rayon maison. Enfin, ça dépend après des Primark, mais en tout cas, oui, sachez que Primark, eh bien, vend des pop exclus Primark, qu'on peut retrouver ailleurs avec d'autres étiquettes exclusives. On a craqué pour Vampire Jack, qu'on voit pas trop avec toutes les étiquettes qu'il y a dessus, puisque, bah, tout simplement, on adore Jack Skellington, surtout Flavien, puisque c'est son film d'animation préféré, donc L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc c'est une exclue Primark avec aussi l'étiquette spéciale édition, et donc celle-là est une version différente puisqu'elle brille dans la nuit. Voilà, voilà, donc c'est avec sa cape de vampire. Et la seconde, il s'agit de Bad Girl qui est toute rose. Pareil, c'est une exclusivité Primark avec une étiquette spéciale édition. Donc en fait, pourquoi Bad Girl est rose? Tout simplement parce que, eh bien, Funko a fait une donation de 25 000 $ à la fondation de la recherche contre le cancer du sein. Il y a aussi Superman en rose comme ça qu'on a vu à la Fnac. À la Fnac, justement, on a craqué aussi pour ce pins-là. Oui, c'est un pins. Oui, c'est vrai que ça peut paraître bizarre vu la taille quand même de ce pins, mais oui, oui, c'est un pins. Puisque Funko, depuis quelques temps maintenant, font des dérivés en fait. Il y a des guirlandes pop, il y a des stylos pop, il y a, bah, vous savez, les pocket pop, enfin bref, il y a tout plein de pop, des porte-clés, tout ça, tout ça. Et il existe aussi donc des pins ronds, tout petits. On a déjà celui de Deadpool et ils ont sorti maintenant des pins en grand, grand, grand format. Donc je vous ai fait gagner tout récemment celui de Batman et nous on a craqué pour celui du Joker.
Voilà, il est comme ça. Comme vous pouvez voir par rapport à ma main, il est très très grand. Donc derrière, il y a trois attaches et il y a également une petite barre en métal pour faire un socle pour pouvoir poser eh bien, le pins si on le souhaite sur une surface. Et voilà d'un petit peu plus près le pins et derrière comment il est. Avec Flavien, on s'est offert quelques cadeaux et pour ma part, je lui ai offert notamment le casque d'Iron Man que vous voyez actuellement à l'écran. C'est un casque qu'on peut garder en décoration, voilà, sur n'importe quel meuble, ou alors on peut aussi le porter pour, pourquoi pas, un costume. Donc c'est un casque où la visière s'enlève manuellement, elle n'est pas automatique. Les yeux par contre s'allument avec des boutons, il y a aussi des bruitages si je ne dis pas de bêtises. Ça faisait un petit moment que Flavien lorgnait sur ce casque, du coup je lui ai offert pour eh bien, son Noël 2020. Et Flavien m'a offert quelques cadeaux, notamment un cadeau, mais que, oh là là, que je veux depuis que je suis toute petite, sincèrement. Sauf que quand j'étais plus jeune, eh bien, cet objet n'existait pas, ces objets n'existaient pas, et ils ont dû sortir il y a très peu de temps. Vous la voyez derrière moi depuis ce début de vidéo. Il s'agit de la boîte à musique dans le film d'animation Anastasia. Ce film d'animation fait partie de mes préférés depuis que je l'ai vu la toute première fois. Je devais avoir moins de 10 ans, ça c'est sûr. Et depuis, je voulais cette boîte à musique, sauf que c'était impossible de la trouver. Et du coup, c'est la marque The San Francisco Music Box Company qui l'a sortie il y a quelques années. Elle est magnifique, tout en dorure comme ça. Elle est mais tellement, tellement belle cette boîte à musique. Et c'est vraiment une boîte à musique puisque quand on l'ouvre, eh bien on a les deux petits personnages avec le fond ici. Et donc bien sûr, qui dit boîte à musique, qui dit petite clé à remonter. Elle est trop belle. Avec, il y avait également ce magnifique collier, puisque justement pour dans le film d'animation, pour ouvrir la boîte à musique, eh bien c'est le collier qui l'ouvre. Ce magnifique collier avec marqué derrière Together in Paris, donc ensemble à Paris, comme dans le film. D'après ce que m'a dit Flavien, ces deux objets-là, en fait, il les a achetés sur Etsy. Donc le collier a été réalisé par une créatrice et il avait donc la possibilité d'acheter la boîte à musique de cette société. En plus, voilà, il y avait un lot et je suis trop fan. Vraiment, ce cadeau est juste incroyable. Ces cadeaux sont juste incroyables étant donné que bah, c'est des choses que je voulais quand j'étais plus jeune mais qui n'existaient pas. Et ouais, clairement, c'est... Oh là, ça me tient trop à cœur et encore merci à mon chéri. Je pense que je vous ai tout montré. Je pense. Ah non, je ne vous ai pas tout montré. Attendez là. Ne partez pas. Ma sœur et mon beau-frère nous ont acheté un cadeau qui est beaucoup trop stylé. Il s'agit d'un paillasson. Vous avez compris pourquoi, hein? Ouais, on est tellement fans que du coup... Welcome to Halloween Town. Il est trop stylé ce paillasson. Oh, encore merci à ma sœur et à son chéri pour ce super cadeau. Oh, pour notre future maison, ça va être beaucoup trop stylé. Voilà, et je vais profiter de cette fin de vidéo pour vous présenter mes petits achats livresques que j'ai effectués depuis le dernier book haul qui date de la semaine dernière, n'est-ce pas? J'ai craqué pour deux livres récemment à l'espace culturel de Leclerc. Donc à commencer par ce livre-là, donc Shining de Stephen King. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter Shining de Stephen King? Non, je crois pas. Donc chez le livre de poche, et ouais, parce que j'avais envie, ce livre-là me faisait de l'œil depuis pas mal de temps, en espérant qu'il ne restera pas dans ma pile à lire une éternité. Oui, effectivement, ça, chapitre 1, enfin ça, tome 1, est toujours en cours, puisque je l'avais déjà commencé et je m'étais arrêtée à la moitié, puisqu'après, je sais plus pourquoi, j'avais arrêté, du coup j'ai recommencé. Plusieurs mois plus tard, j'ai recommencé depuis le début, et l'année dernière, j'ai eu des pannes de lecture,
Avengers, ce qui fait que bah du coup j'ai abandonné alors que pourtant j'étais bien rentrée dans l'histoire, mais voilà, j'avais pas envie de lire. Bah du coup maintenant j'ai pas envie de le reprendre comme un cheveu sur la soupe, donc bah il faudrait que je recommence depuis le début, mais franchement j'ai pas la motivation, voilà, mais en espérant que Shining ne restera pas trop longtemps dans ma palle, et en tout cas j'aime beaucoup la couverture. Et ensuite j'ai craqué pour Le Sorceleur par Andrzej Zabowski. Je sais jamais comment ça se prononce, mais j'espère que je le prononce bien. Donc c'est le livre 1, Le Dernier Vœu, chez les éditions Bragelonne. Pourquoi? Parce que c'est la saga littéraire qui est à l'origine de la série The Witcher, que j'aime beaucoup trop sur Netflix, franchement, que je vous conseille trop, avec Henry Cavill, un de mes acteurs préférés de la life. Du coup voilà, il faut absolument que je commence cette saga. J'ai préféré prendre la couverture d'origine et non pas la couverture avec l'affiche de la série The Witcher. Non pas que je n'aime pas cette nouvelle couverture, je la trouve très belle, surtout voilà, voir Henry Cavill qui est de dos, mais c'est vrai qu'au niveau des livres, moi je préfère toujours prendre les livres avec les couvertures d'origine, voilà, pas avec les couvertures des séries ou des films, non, je préfère les couvertures d'origine, voilà, et bah, j'espère pareil qu'il ne va pas rester trop longtemps dans ma palle. Voilà, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quel pop vous avez acheté récemment, quel produit geek vous avez acheté récemment, et aussi les livres, pourquoi pas. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye !